La mairie centrale de la capitale poursuit son opération de démolition de hangars anarchiquement installés. Cette opération vise à libérer les voies publiques illégalement occupées par certains citoyens. Cette initiative vise à restaurer l'ordre et la sécurité dans la ville. À cause de ces occupations anarchiques, des rues entières sont envahies, rendant difficile, voire impossible, la circulation. Le champ des files est l'un des endroits où aucune règle ne gouverne les mouvements des personnes et engins. De nombreux ateliers de réparation situés au marché sans fil a reçu la visite des responsables. Avant de passer à l'action, la mairie avait averti les occupants de ces structures illégales il y a quelques jours. Malgré ces avertissements, certaines installations n'ont pas été retirées, obligeant ainsi les autorités à intervenir ce matin pour effectuer les démolitions nécessaires. Si certaines voix s'élèvent contre ces mesures, soulignant l'impact économique sur les petits commerçants, d'autres soutiennent fermement l'initiative, reconnaissant l'importance de maintenir l'ordre et la sécurité dans la ville. La mairie centrale réitère son engagement à poursuivre ses activités de démolition. Elle prévoit également de renforcer les contrôles pour sévir contre toute forme d'occupation illégale des voies publiques. Cette action s'inscrit dans un cadre plus large visant à garantir la sécurité et le bien-être de tous les citoyens.